Ils ont répondu présent à l'appel de l'autorité provinciale, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny. Il s'agit des groupes armés signateurs d'actes d'engagement, des cessations des hostilités, notamment FRPI, FPIC, CODECO et MAPI. Cette délégation, chapeautée par les commandants de la 32e région militaire, le général-major Peter Chiriwami, est arrivée tard dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 mai 2023 dans la commune rurale d'Arou, dans les territoires portant les mêmes noms. Le conseil territorial de la jeunesse d'Arou s'est dit content d'accueillir ses assises et invite ses miliciens à désarmer leur cœur. Pour mettre fin définitivement aux violences causées par les groupes armés en province de l'Ituri, il faudrait que tous ces miliciens désarment leur cœur et qu'ils emboîtent les pas des Arou qui travaillent en étroite collaboration avec les autorités en place. À chaque fois qu'ils se posent un problème, ils se mettent autour d'une même table pour trouver solution. De son côté, la milice Front patriotique et intégrationniste du Congo s'est dit déterminée pour le retour de la paix dans la province de l'Ituri. Kakani Bakou et son porte-parole. Nous sommes venus ici rien que pour la paix. Loin de la paix, rien n'est possible. Tous les objectifs poursuivis par ce dialogue, entre autres, la libre circulation, seront mis en pratique. Nous demandons aux communautés ituriennes de cesser avec toute forme de manipulation. Et pour sa part, l'honorable Daniel Ouyewa, l'élu de la circonscription électorale des Djougou, demande à ses groupes d'enterrer la hache de la guerre pour une paix durable dans la province de l'Ituri. Sur la paix, pour que la population regagne leur milieu d'origine, et cela se fera grâce au dialogue. Ce n'est pas nous, non plus le général, mais c'est vous, la jeunesse, parce que vous êtes l'avenir. Les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise en Ituri, les commissaires divisionnaires Sengelo Akio, s'y joignent à la délégation depuis la matinée de ce vendredi 26 mai 2023. Tout ceci dans l'objectif de mettre définitivement fin aux violences en province de l'Ituri, souhait ardent du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.